Bonjour Adèle, je sais, c'est l'hiver en France, mais ici c'est le plein été. Et si je fais beaucoup, beaucoup de bivouacs sauvages au Botswana, il y a de temps en temps des campsites avec une piscine, donc j'en profite un peu. Et oui Adèle, c'est aussi ça, Africa Trek, faire sa lessive et tendre son linge. Brenda. Chitana et Duriego. Voilà, fin de journée, une belle rencontre avec trois femmes de la tribu des Herero. Brenda. Yeah, it's you. It's me. Yeah. Ciel très menaçant ce matin pour le départ, je suis un peu entouré d'orage. Quelques gouttes simplement pour l'instant, mais je serais pas fâché d'avoir une vraie averse, ça me permettrait de prendre une douche. Parce que depuis 5 jours dans la brousse, avec juste une toilette de chat, je dégage un certain fumé que vos narines délicates, Adèle, apprécieraient à sa juste valeur, je n'en doute pas. Alors un conseil, Adèle, si un jour vous bivouaquez en Afrique, au moment de démonter votre tente, méfiez-vous toujours, il peut y avoir quelques petits animaux qui viennent chercher la chaleur de votre corps. C'est le cas ce matin avec un scorpion et un scolopendre. Bien me voici sur la Trans-Kalahari Highway, une route mythique en Afrique qui relie l'océan Indien à l'océan Atlantique, et à partir d'ici, il ne me reste plus que 2000 km. Allez, à la semaine prochaine en Namibie.